KPG Energy, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KPG Energy, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KPG Energy développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KPG Energy gère votre consommation et votre stockage. Nos services. Matériel européen très durable. Deux équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KPG Energy, finis le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199. Soit plus 243 999 466 256 immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe référence rond-point Kimazière info kbg@yahoo.com. KPG énergie, qualité et fiabilité. Voilà, merci chers internautes, merci à vous tous qui nous suivez de partout, merci puisque nous sommes là pour vous informer comme d'habitude. Je dois vous dire que les choses ne semblent pas marcher convenablement en République démocratique aussi comme nous le souhaitons, mais du moins je sais que ça va marcher, ça va aller et Makambo quand même comme un point très important. Bandeko Balandi, ni nazo bela mkwalelo. Depuis pouvoir est en place, Vital Kamerhe est au cœur de tout. Ils ont un bazo fingaé, ils ont un bazo bazo sepelanaé, ils ont un bazo bazo bundisaé, ils ont un bazo bazo zaposa bazalanaé. J'aimerais maintenant savoir, Vital Kamerhe, Azali, allié à Félix, to ennemi naé. Na tuni mutuna wana bongo pona nini et pena souhaiter que le kambo wana le lopo na nini po makambo eliki na mboka na biso. Alors il y a des contradictoires na makambo ebele autour ya Vital Kamerhe. Vital Kamerhe et na Félix bakomi na point wana ndenge nini. Nous devons commencer d'abord par l'historique pour to komana point wana to lobela makambo ebele et ça nous fera un peu du bien. Vital Kamerhe, c'est un acteur politique congolais. Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui a étudié en RDC, à Sala Économie, à Inikin. Si on a le plus, moi, à Inikin, Vital Kamerhe, à Nanga, surtout aux Abans, à Inikin. Vital Kamerhe a travaillé aussi dans la période de Yakala, à Mobutu. Moi, je suis un homme qui a servi secret. Vital Kamerhe ne s'était pas limité là. Un jeune leader, intelligent, brillant de son époque, Vital Kamerhe était aussi jeune de l'UDPS à l'époque. Vital Kamerhe a évolué, a évolué. Vital Kamerhe. Kamerhe a évolué. Pourquoi? Son art de parler, un monsieur intelligent, il travaillait bien, il s'exprimait bien, il maîtrisait les pays, il maîtrisait les choses. Kamerhe, aïe Olungawana, aïe Kozala, pion majeur, il y a Joseph Kabila. Parmi des gens qui ont fabriqué, parmi des gens qui ont contribué au Bachar Makambo Ebele, la Mouto Joseph Kabila, tout na Makambo na carrière à Joseph Kabila, à 80% Kamerhe fait partie. Kamerhe, premier porte-parole de Joseph Kabila, en quelque sorte ministre, il y a communication, c'était Vital Kamerhe. Vital Kamerhe,
Je peux dire que c'est le fondateur même du PPRD. Le premier secrétaire général du PPRD, c'est Vital Kamerhe. Le fondateur du PPRD. Il connaît tout le monde qui est au PPRD. Pourquoi? Parce que Azala qui m'a conduit dans le Babocha, Babatunyonson, et Zala Pius Mabulu était au PPRD. Babatunyonson était au PPRD, Babalongolongolongo. Kamerhe était là. Avec le PPRD, il va évoluer, à se retrouver. Ministre de formation, il s'est retrouvé président de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale, ça n'a pas bien marché avec Kabila et consorts. Pourquoi? Puisque a dénoncé entrée, il y a le Rwandais dans l'Est. A lui qui va trop loin, il y a eu Makamouana. Et Kabila, il a abandonné la Makamouana, a démenti Raboui. Vital Kamerhe va se retrouver. La Kabila, en chien et chat. Kamerhe, nanga monaye, Kabila nanga monaye, Kamerhe moni qui était aussi mbate, qui est au la INC. Mais l'air basa la INC, Kamerhe n'avait pas mis son nom sur le fondateur de la INC. Batumzou sonne basa la qui. Si vous savez que l'INC a joué. Mikanda et va poni mouto le bosso président Kamerhe. Vital Kamerhe a bandi que voulait na INC. Na INC tous aki na ba tebele, ba Claude Lubaya, les anciens avaient perdu. Tous aki na ba Bitakwira, tous aki na ba Ewanga, ba tête, Kokonyangi oyo ya Kokonyangi oyo ya koma kobina na mariage ya mwana Shadari wana. Na ba kite Kokonyangi za danseur boy. Kukunyangi wana papa na bulaki tatana si akoli menzo kazala na jambi ya wazeku hazo bina netika wazeku bon wani za problem nangate msana ba yonko bina nakolia alo ba kukunyangi wana no kukunyangi zaki na yene sete kukunyangi zaki pa baati qu'est-ce que je dis alo ba vandi ba evolue menon eleksyon liboso oye salima na mboka na biso eleksyon wane zalaki ya 2006. En 2006, dans ce pays, on devrait assister à un débat contradictoire entre Jean-Pierre Bemba et Kabila. Moutoua Kimisa Kabila, c'était Vital Kamerhe. Moutoua Boya Kabila Akende, comme ça, débat contradictoire na Bemba, c'était Kamerhe. Et Kamerhe, à l'époque, l'avait dit sur RFI, à lui, Tozo Banga, avec arrogance, il y a vice-président, Jean-Pierre Bemba, il peut bondir à tout moment sur Kabila. Il a comme matelé, il a comme c'est Kamerhe. C'est des choses où on a dit là-bas. Vital Kamerhe, c'est le directeur de cabinet du chef de l'État. J'ai mis ma main à couper. Et Ayébi. Moi, je n'insulte pas les gens. Je sais. Nous avons mis nos nano quelque part. Nous avons mis nos quelque part. Pour nous mettre nos quelque part. Puisque aujourd'hui, la question se pose que Kamerhe est-il allié ou ennemi à Félix? Nous avons répondre. Mais il faut tout penser à nous. Historique, il y a tout. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Tout le monde est là. C'est un homme yapé. Est-ce que c'est un traître? Est-ce que Azam ou Tazanani? Ou juste? C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, ma camboué belé zaka autour à Vital Kamerhe. Est-ce que ça n'a pas pour n'a qu'on nuirie? Tout ça n'a pas pour n'a qu'on dénoncer ma bienaïe? Ça, ce sont des questions que je pose. Kamerhe, l'air à l'ongoué de pouvoir à comme une opposition, on l'appelait caméléon, on t'a pas couleur rebelle, Azapion. Au Kabila tenir une opposition pour fragiliser l'opposition à Motunabiso, entre autres, Motunabiso qui a discours dans ma casse était Francis Kalombo. Alors, Kamerhe a été diabolisé totalement. A préféré ça quand on va est naïe, à ça quand on est bangombe, à ça ma casse quand on est bangombe ou anatro. Alors Vital Kamerhe, tu es quoi la bongo? Vital Kamerhe, une élection en 2011, a boué qu'on s'allie puis on a chassé. Qu'est-ce qu'il a battu mon sou sur quelle élection on est naïe? Abimi, on a 5% comme ça, ouais, 5%. Kabila, Abimi avant, Félix, tu sais qu'il dit le père, Abimi deuxième.
Voilà, quand il était numéro 5, il était numéro 5 dans l'élection. Il s'appelait le défenseur. Auparavant, il était l'attaquant de pointe. Il était ceci, il était cela. Bon, c'est quelqu'un qui parle vraiment. Totikali. C'est la caméra qui monte là-bas. Tout, Azosalaka politique. Donc, on a 2018, plutôt qu'il y ait une élection. Makambo Bandesiko. En 2018, plutôt qu'il y ait une élection, tout le monde savait que Kamere a postulé na Makambo Itali rassemblement. Le père était là. Tu sais qui dit le père? Kamere a content un rassemblement. Asaika Libanda. Il y a des gens qui étaient dans le rassemblement, entre autres le Martin Fayoul. Martin Fayoul ne voulait jamais Kamere a content un rassemblement. Il disait que ça c'est jouer avec les gens. Kamere entre à 9h, à 9h02, moi je claque la porte. Fayoul le disait. Pourquoi il le disait? Il avait peur de quoi? De Kamere où il y a traîtrisme à Kamere? Je ne sais pas. Alors, l'homme, on l'appelait le pacificateur. Pourquoi il était, on l'appelait pacificateur? Non, comment on va répondre? Tokyo, évolution, dialogue, il y a. Tout le monde savait que Kamere allait être premier ministre. Kamere avait mis premier ministre Kabila Betty Virunga. Avait mis Sibadibanga Kamere à Tikali avec Edem Kodjo là-bas. Tout se retrouvait dans 5 ans, 5 ans. Il était toujours là. Atika Makambote, il y a un moment où il y a un moment où il y a Kamere était toujours là. Alors Kamere a l'ongue, et comme il y a un temps où il y a un candidat commun, le coup de Kamere est belé dans le bilan, on a pas fait cette belle. A quoi on attend un candidat commun? Mais en Afrique du Sud, il y a un critère, il y a un Moïse et consort. Bon, tout est bien, on s'est retrouvé dans Poto. Poto et puis dans Genève. Ah, Siko et Sengeleto pour un candidat commun de l'opposition. En face, il y avait un candidat qu'on appelait le champion. C'était Ramazani Shadar, Emmanuel. Tout le monde a beaucoup de stade de Tarafael, Batokobina. Donc, tout le monde disait que c'est Shadar qui devient président. Puisqu'il avait l'appui, Kabila, il avait l'argent. Tovandi, pas à Genève, rumeur, il y a un candidat commun, Tovandi, pourquoi mon roi? Oh! Martin Fayoul le candidat. Qui chasse Indi? Batoli de Bess, il va l'oublier jamais. Tovandi, il y a un point de vie. Il y a une déclaration de Kabunda et Kabotomabe. Kabouya et Kabotomabe. Peter Kazadia et Kabotomabe. Il y a un peu de temps. Il y a et moi, j'étais conscient qu'il y a des pèses à Kabouya. Effectivement, il y a des pèses à Kabouya. Mon temps a retiré la signature. Il y a que Naboui, Namouni qui est base, Nemouteboui, Maramouni, société Félix. Il a retiré la signature. Il a soutenir Martin Fayoul. Et Kamere aussi, à son tour, a retiré aussi sa signature. Bah, retira la signature na bango. Kamere était deuxième, n'a qu'on retiré la signature. Pas à se retrouver na Félix. Ah, bah, que Genève. Qu'est-ce que je dis? Bah, que Nairobi. Kenya. Bah, Bimisini. Cash. Carpe pour le changement. Ticket gagnant. On a basalé ba corps na bango na ko le belango Fayoul a tikali na ngamu na ye na ba Moïse na ba tout ce ba chepe ba moyen en place pas élection et salemi. Bref, Félix est président. Félix est président. Entre lui et Kamere, il y avait un accord à Nairobi. Cet accord disait ngai na za président yo okoza la premier ministre pour un mandat au mandat où il y a un peu Félix pour soutenir lui, il y a président. On a évité Félix, il y a un premier ministre. Et maintenant,
Ça, c'était l'accord politique. L'accord politique, c'est la volonté de vivre ensemble, de mener un combat ensemble, de gérer ensemble et de voir dans quelle mesure on peut évoluer. Mais maintenant, les accords politiques, et Kukutanana, constitution, et commis blocage. Comment je dis cela? Donc, une élection, Félix Habimou, président de la République, fort malheureusement, à la majorité parlementaire. C'est-à-dire quoi? Il n'a pas la majorité au niveau de l'Assemblée nationale ni au Sénat. Or, la Constitution dit, et Premier ministre, Azali Moutou a la majorité et à niveau parlementaire, il y a parlement. Maintenant, la plateforme qui était majoritaire, l'Assemblée nationale, tout parlement mobilement, et la FCC, ou Joseph Kabila, données changées, devant l'accord, il y avait la Constitution. Faudrait-il violer la Constitution pour respecter l'accord ou violer l'accord ou respecter l'accord et violer la Constitution ou violer l'accord et respecter la Constitution? Kamere Félix Batikali, la première personne au Félix Tshisekedi a nommé le pouvoir naïs de Vital Kamere. La première personne. Au Félix Anoma, dans son pouvoir. Donc, pouvoir est Félix, c'est que dit Moutounio, soyez bah déjà que Moutouali Bosso au Félix Anoma, boy, papa, c'est Vital Kamere, Anoma Enani, directeur de cabinet, Moutounio, surpris. Pourquoi? Automatiquement, oh, parce que les gens se disaient déjà que Bakoka Bouana, Kamere a rééchoué, puisque il était. On a posé à la première ministre. Est-ce que Kabila va accepter que Kamera comme premier ministre va pour Nayekuna et go simbate? Ah, Félix na Kamera est bloqué. Félix na Kamera est bloqué. Va nommer Kamera directeur de cabinet. Or, un directeur de cabinet a un niveau moko, surtout qu'il y a un gouvernement, il y a un ministre d'État. Vous voyez un peu? Voilà. Un directeur de cabinet a un niveau moko, un ministre d'État dans le gouvernement. C'est-à-dire, Azana, c'est un premier ministre. Mais il occupe un poste stratégique. Oui. Il occupe un poste stratégique. Vital Kamere, Azawana, Moutalibosso Félix a nommé, c'était Vital Kamere. A nommé le président, directeur de cabinet. Basali, Baron Basali, remise au président Néhémi, qui était le directeur de cabinet sortant, Bavandi, évolué. Et maintenant, na kota sikoyo na makambo na bonga mamukina kiti makambo ezani balibi Kamere azali allié to ennemi ya Félix. Ah, motuna makasi. Depuis que Kamere na Félix bazana pouvoir, mando ki nyonso oyo batali batali sika na ngambo ya Kamere. Et le quoi, 15 millions. Bah, le bébé 15 millions et bungi. Kamere ne m'a pas détourné un bon. Toyo Kanaba tout, Babimissi dans ma banque. Moi, si mon goût est yende, Azwa qui part naïe, paraît-il que moi, c'est Kamere ne m'a pas détourné. L'isolo, Kamere, le barakate, pas à écolo, bah, le sous. Bah, le bébé non. Mais, bah, liste, nous sommes dans un monde. Au inspecteur général à mon finance, Abimi si combo Kamere un rapport à mon côté, ils alaki. Banani Babimi sa ki li solo ya 15 millions. Li solo ya 15 millions ne bima ki ndengenini. Et mon wana 15 millions. Et bimi kaka na période à Félix, toi il manda pour me pendant Joseph Kabila. 15 millions na ezali fait affaire ou banda ou bima pendant bandaka. Puisque sont les pétroliers congolais, ne sika ba matisa. Carburant à pompe, l'État congolais a eu par Moko Boye. Il a eu autant, mais il a eu beaucoup de temps pour rétrocession. Rétrocession de la rétro-commission. Et pendant 15 ans, ou pendant 18 ans, Joseph Kabila a eu un peu de temps. Et tant que je suis un peu de temps, le directeur de la commission a eu un peu. Maintenant, le col a eu un peu de temps, c'est que je suis un peu de puisque je suis un peu de temps. Batala mbongo wanda ko bima bako benga bangote. Le ba bengi bangote
C'est que ta mère est allée là. Bah, incriminé caméré. Mais dans le rapport, nous avons une caméra. Comment est-ce qu'il a quitté? Il est allié ou ennemi. Mais le coup, il est allié qui est bon. Il n'est pas ennemi. Il est allié. Le coup, il est allié. Il est ennemi. Mais il n'est pas ennemi. Mais pourquoi on le traite? C'est parce qu'il lui fait peur. Oui, c'est parce qu'il fait peur. Il lui fait premier secrétaire général. Il a PPRD. Entre autres, il y a parti pilote. Il y a FCC, c'est PPRD. Pour affaiblir Félix, il faut faire tomber Kamir. Puisqu'il connaît les hommes et leur système. Et ça n'est pas joueur n'a pas eu le Real. Donc, à tel azo qui ne peut pas être sucre. Et il y a 3 minutes à 5 minutes pour matcher ici, dans la coupe 1. Joueur a Kati. Et Real a Kati à tel. Joueur a tel. Il y a Atletico à Kati et Karambala Moko. Pat! N'est-ce pas? Tout et éliminé Bisso et ratissé Bisso coupe Bisso Batoréal. Azur rouge, il s'appelle héros. C'est ce que Kamere fait aujourd'hui. Donc Kamere reste un héros, Félix. Mais Batoazo comprend rien à noter. Kamere reste là, un héros, Félix, et Batoazo comprend rien. Alors, Vital Kamere a Tikali. Quand on pose la question au président de la République, Félix Tshisekedi, Kamere, moi j'ai la confiance jusqu'à présent, parce que mon rapport, mon côté au Tangé, il y a un Kamere. Ok. Félix Tshisekedi, il y a un avant. Maintenant, tout est évolué. Le seul homme qui est mis 200 millions. Cette fois-ci, ce n'est pas Kamere. Ce n'est plus Kamere qui est cité dans ce dossier. Et là, comme Albert Yuma, mais tout le monde, communauté katangaise, était l'ennemi. Oh, il faut trouver Albert Yuma qui était PCA DG. Pourquoi tu as perdu le pouvoir et Kabila Banda Koti Kaibongo? C'est parce qu'il y avait un gain. Puisqu'on savait que c'était un pouvoir, il va profiter et tout le monde comme Balingi. Kamere, aujourd'hui, INC, n'a pas tout sur IDPS, il n'y a plus mariage. Bazo bwa ke la mingi, bazo bundisa na mingi, bazo lo banin. Batu ya pepe ya, qu'est-ce que je dis? Batu ya IDPS, bazo lo bake. Vital Kamere, azali traître, azali ennemi à Félix. Akenaki na mariage ya James Kabare, le akomi na mariage kuna. Alobi akope sa 30 têtes ya ngombe, le kole sele mara kotimi na bango. Or, tant que il y a un mariage, tout le monde a pesé 30 têtes et en gros bête. Voilà, il y a des pesées. Il y a tort, il y a raison. Il y a évité. L'air de l'ungue kuna. Balobi, Vital Kamere a l'ungue soukuna. A se retrouvé dans le monde d'Abisika, chef de l'État Zali. A kabeli sous ce bateau 5000 poissons. Jésus kaka. Jésus kaka, il y a un peu de temps. Donc c'est compliqué là. A kabé 5000 poissons. Peut-être que ça pour un peu bon. Ou y a aussi que ça, la kuna y a 30 ngombe, tous les années. On a battu à l'UDPS. Maintenant j'aimerais savoir. L'UDPS aujourd'hui pense qu'elle peut vivre sans INC. Non. C'est une faute grave. Puisque c'est l'INC et l'UDPS au Moutouba Kendaki. Que ça la corne à Bango, bah comment on va commencer à l'élo. Na parcours, na ba campagne nyonso, au Félix na Kamere basali. On a assisté aussi na touche ya Kamere to moni oyo azaki na ngokoma apport sur le plan politique pour na Félix. Jusqu'à présent, to moni pe o bango bazana ngona apport. Ils ont dirigé le pays sans gouvernement pendant plus de 4 à 5 6 mois. Bango mi balé. Bazo diriger bato oyo ba eto ibiki bato wana ba mesana ko yib. La première mesure au Bango Bazo est que
pas de mouvement yako bimisa mbongo, pas de mouvement yako recruter bato. Vous voyez un peu ça. C'était une façon yako kangana na madosu et bisika mbongo ebanda ko kimi ko bimela. Ndele lo zoom na tozo yeba déjà que na ko kuna détournement ezalaki, na ko kuna détournement ezalaki, c'est parmi des stratégies ya caméra et parmi makamu mususu au vital azo sala parmi la présidente de la République. Nous avons des institutions suivantes na mboka na biso. Nous avons l'institution pour batebele basala ka erreur hein. Kolobake oh la présidence de la République c'est une institution. Non. La présidence de la République n'est pas une institution. L'institution, c'est le président de la République. Et c'est aussi au Canada. La présidence n'est pas une institution, mais ce qui est institution, c'est le président de la République. La première institution dans le cannabis, le président de la République. Donc, président Félix Nengazawana, aza institution Mubimba Yemutuana, et Yekaka Mutu Nengazawana. Président de la République, le président de la République. Institution. C'est une institution à caractère politique, juridique. Pourquoi? Puisque il est le commandant suprême. Nakatinaye, c'est quoi? Voilà la porte de la musique de Mangamoutou. Acteur politique, il faut tout l'accès à la Mangamoutou. L'institution, c'est le président de la République. Et le président de la République a allé assister. Naba structure. Structure la bosseuse à présidence. Où ils allaient diriger par directeur de cabinet et chef de l'État. Structure et mibale, ils allaient maison civile. Où ils allaient kota la makamope et chef de l'État, salaire et toute maison civile. Peut-être le monde peut la maison militaire. Maison militaire, on a des où ils allaient kota la siko makambo, où ils ont ça qui est président de la République, babenga le commandant suprême des forces armées. C'est aussi au Karamala. Maintenant, la présidence, vous êtes dirigé par un directeur de cabinet, Vous êtes dirigé par un directeur de cabinet. C'est celui-là où vous allez coordonner l'administration, Makamonion sur la présidence. C'est vital quand même. Maintenant, comme nous avons institution Moussous, vous êtes en face de Bango, vous allez le gouvernement, c'est une institution. Le gouvernement. Ce que tout le monde veut, nous avons l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est le cas? Le Parlement, là, c'est une institution. Alors, notre Parlement est bicaméral. Nous avons le Sénat, la Chambre haute, et l'Assemblée nationale, la Chambre basse. L'exécutif congolais est bicéphale. En face du gouvernement, il y a le président de la République, ou en face du président, il y a le gouvernement. Alors, ma camionne sont là pour étendre la malam. Ils ont signé bateau, il faut baser la maïl. Bateau, ils ont mon bateau FCC, baser les bossonaio. Ce ne sont pas des gens qui ont sacré la bango. Sur terrain, ce sont des gens impopulaires. Mais bah cerveau na bango, ce sont des gens hyper intelligents. Bateau, bah yébi qu'on joue ma camionne, bah article là, bah mon, bah terme. C'est le FCC. Le FCC, c'est l'ensemble des gens intelligents. Dans le bac, des gens intelligents. Mais ce qui est basé sur l'intelligence, c'est que c'est au service, il y a Mboka et aussi la Malam. Mais on a dénoncé ça, c'est ça qui est basé sur l'intelligence, c'est au service de Joseph Kabila, qui est un individu qui a eu le malaria. Mais il a malaria. Alors, l'IWA, il y a Vital Kamerhe et Lelo, où il y a Vital Kamerhe sur le terrain, et ça, kaka. Au moins, si il y a lobby, ba maman, bolamouka. Boza la vigilante, totala, bofongo la mis. Pourquoi? Alors ça la campagne à Mobali naye. C'est tout à fait normal. C'est politique. L'UNC, c'est un parti politique, l'UDP, c'est un parti. L'UDP, c'est à la place de s'organiser, de descendre au niveau de base, de chercher à réimplanter le parti politique, ça et là. Bango, bazo le la le la kak. Oh, bato, bango, bosa la manzala ko dénoncé. Bozo le la nini. Mon inga na yon a politique a zate, bintere nezozal. Si Kamer avait accepté de soutenir Félix, puisqu'il avait compris ce que les autres n'avaient pas compris, lui savait que la population avait besoin de Félix. Et il savait que Félix avait l'aura que lui n'avait pas. Bref, pour Nabmatana Salanine, je soutiens celui-ci, Abimali Boso, on a la peine à Sima, na gloire. Et aujourd'hui,
Je vous dis, Kamere, c'est le tout puissant. Nambo Kanabiso. Oui. Kamere est l'omniscient, l'omniprésent. Il est partout. Je vous dis partout. C'est dit à quoi? Il travaille. Je dis Kamere aujourd'hui est partout. Dans ma dossier nyonso. Et c'est un dossier mon côté Kamere. Non, il connaît tout. Il connaît tout. Est-ce qu'il est en train de détruire Félix? Non. Puisque si Kamere détruit Félix, s'il joue un ennemi, il y a Félix. Donc Félix va échouer. Et si Félix échoue, lui aussi va échouer. Puisque les gens diront quoi? Yondezaki directeur de cabinet à Moutouana. Qu'est-ce qu'il va apporter comme discours? C'est ça, c'est que les gens oublient. On dit l'INC, Azawana, pour combattre Félix, comment Azolo Baké a posté en 2023? Il y a quoi? Attends, ce qui va signer qui a corroanate. L'INC, comme parti politique, a une ambition à conquérir le pouvoir, à exercer, à garder d'une manière démocratique. Tout ça, à un moment, il y a une alliance. Tout ça, à un moment, il y a une préparer. Tout ça, sur terrain. Le INC a promettre de faire ça. Il y a une ça. Mais il y a un cabinet, un ministre rebelle à l'INC. Bazo recruteur, bazo zobato. C'est normal. Bazo ça la politique na bango. Ba vimbi sa mokonzi na bango. Mina UDPS, ne bisika, mina vous appelez dans le ministère. Na bisika UDPS, a zope bato, a tcha na bisika au kocha. A bong sa parti, bango bazaka na tongo. Vous êtes des ignorants. Vous êtes dans la distraction. Soutenir votre chef, c'est commencer. Yakoloba d'abord, ba action naïe. Tout ça, le lendemain 2020, 2023, Fachi président. Mais nous, on va dire 2023, mais vous êtes là, Félix, c'est ça, c'est ça. Non. Contrôlez d'abord, Makambo, il faut signer Félix, c'est ça. Puisque Félix, aujourd'hui, discours aux Alanangola 2023, il est à bilan. Ça, c'est un discours à pouvoir, tu as la boyauté. Mais on va rêver sur ces actes. Na minute yo ide peso apesa bato ba rêve ya ndenge na ndenge na mboka na biso le lobo kutani na likambo na morso bokata mkuu atondi mabino siki bokati mkuu ate bwa balembele esiki boza balembele tina 2023 boza libanda tokundi mate balembele baya ko dirije sur ba kongole po ba kongole ba kubanda ko sufuri kaka est-ce que tozolo bana ba vérité eza tango ko lo ba vérité po to sala musala nesika to banda ko diaboliser bato to sala musala. Aujourd'hui, l'UDPS a intérêt à soutenir Félix, à soutenir Kamere. Pour soutenir Yazala Makas, pour soutenir Félix, pour soutenir Kamere, à sentir pression positive Moko sur Yé. Il va faire un bon travail à côté de Félix. Et quand il va faire un bon travail à côté de Félix, c'est la population qui va en bénéficier. Et quand la population en bénéficie, c'est Félix qui gagne. Et là, vous, UDPS, vous gagnez. Mais lorsque vous cherchez à nuire Kamere, donc vous détruisez Félix. Puisque Kamere est aujourd'hui. Ce qui est bon, c'est bon. À côté de la majorité, le la majorité. Il y a un FCC à récupérer. Mais je vous dis, vous jouez. Le FCC est capable de signer contre un diable pour vivre qu'il y a un grand pouvoir. Ça, je vous dis. Le FCC a un grand pouvoir. À récupérer la mère. Le président de l'Ongolio Kuna, bon, il n'y a pas d'abus. Et lui aussi n'acceptera plus. Azon a son opposition, non. A qu'on préfère à la canne à pouvoir. A qu'on vende à pouvoir à la côte à naïe. Et tant que le gamin, comme eux, les belles toquines, la maman, sur la dialogue, comme la crise de sous. Tant qu'on vende à la côte à naïe. Là, on vend à la côte à naïe, côte à naïe, pour favoriser la FCC. Et le côté à Camille, tant que favoriser la FCC, c'est Félix qui devient de plus en plus faible et fragile. C'est ce que les gens ne comprennent pas. La meilleure façon aujourd'hui de soutenir Félix, c'est de soutenir Kamere aussi. C'est de garder Kamere à côté toujours de Félix. Et si vous gardez le dé comme ça, et c'est le pays qui gagne. Puisque en face, Félix a cause de Kamere, il dit, Keba, Batouana, Baza, Boué, Boué, Boué. C'est que Betty Bongo, et Okoma Boué. Ayevi Bango. Ayevi Bango. Le pouvoir, il agit à Balabala, à Anate, vous avez un mot de Bosso, Anate. Pour bon, nous rappeler bien, l'air Félix Zaki opposant, avant de le bannir,
passeport le plus cher yambo kanabiso c'est Kabila et sa famille et consort. Félix avait dénoncé le Kounyon Swan. Aujourd'hui le président de la République a quitté ses passeports. Dans le but de Félix Azar président de la République a quitté ses passeports. Vous ne pouvez pas faire ça, les amis. Vous avez devoir et mémoire. Et une aventure. Vous avez le président de la République, Félix, quand il était. Il faut pas dire, vous rappeler ma quand il était opposant. Il y a des images. Hein? YouTube, il y a des images. Il avait fait. Bah, tout penza, c'est Kabila. Azoïna population, nous avons un passeport le plus cher aujourd'hui. Derrière la démission, on a été fait, on a appelé Félix. À l'Obac, que passeport est quoi, il faut quitter. Le passeport est quitté. Passeport est quitté. Oh, ils ont ma cambo, 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 ils pour passer ce changement, nanoté. Il n'y a pas de changement jusqu'à présent. Parce que pour échanger, et équité. Et tu as l'écran à niveau 1. Non, là-bas, c'est comme ça. Mais tu dis, tu as un campus. Là, c'est Félix qui dit quoi? Oui, c'est toujours Kabila qui est derrière tout ça. Il y a un homme qui est en ah, mais tu dis, tu as un équipe. Ah, le policier, tu as un équipe. Tu le c'est qui? Donc, c'est Félix aussi. Oui, c'est Félix, non? Quand les gens mouraient dans ces pays, on disait que c'est Kabila, non? Et aujourd'hui, quand les gens se meurent, donc c'est Félix aussi qui est tué. Bonjour, je connais tout ce que. Le pouvoir, c'est le pouvoir. L'opposition, c'est l'opposition. Tu dénonces, au sein de la réalité, à ma Bogoté. Lui-même, le président l'avait dit, quand on était à l'opposition, on dénonçait certaines choses. Mais aujourd'hui, quand on a le pouvoir, on a une information, on a un angle de sauter. Donc, évoluons calmement. Vous avez compris? Qui est réalité à pouvoir les âmes sous, ou il y a le banc des âmes sous. Traiter aujourd'hui Kamer d'ennemi à Félix, c'est faire un mauvais choix. C'est faire quelque chose, il y a que Boma Félix. Vous autres détruire Félix. C'est son allié le plus puissant. Cash est composé de ma partie Nine, na Cash One. Et ça a été dépassé à INSET. Le reste, on a parti à vidéo, tu manques. Attends, on a battu combien à 4 ans? Oui, mon ventre, oui. Parti à une sous. Il y en a une sous. Il y en a une. Bah, tout le monde. Il a quoi comme déjà? Il était lui-même incapable, c'est pas pour un gouverneur. Bino il dépense. Vous avez été incapable d'avoir 4 sénateurs à Kinshasa. 4 sénateurs à c'est pour vous dire que le pouvoir est à la balade. Pouvoir est à pouvoir. Donc vous allez à Makambo. Lorsque vous tirez sur Kamel, vous armez l'adversaire. C'est l'adversaire qui est d'entrée d'armée. L'adversaire n'est pas caméré. L'adversaire n'a bien non. Puisque nous sommes tous à boire, ou tous à coalition, FCC cache. Les coalitions, les cohabitations. Puisque FCC a zoussa la magambo, tout car à eux autres qui n'ont pas Félix et pas Kabila. La preuve est que Félix a senti ça, il avait nommé des mandataires, tout. Si le lot, bah qui on va salam sala? Kabila bouya. Bon, on va dire coalition. Coalition, t'es cohabitation. Ce sont des choses que nous devons dire et dénoncer. Donc aujourd'hui, chers Congolais, Moutouazu Bangombe Naya Pessi, Natunaye. Où est le problème? Et Talib Sunani. Et ça Bangombe Naye. Et ça Bangombe trésor public. Et ça Bangombe Naye privé. Vous voulez nous dire que Kamir n'a pas sa vie privée? Il a sa vie. Ceux qui vivent Naye privé, ils ont bébé sa carrière politique Naye. Au moment opportun, c'est les élections qui vont trancher. Garder ça pour les élections, on va dire ce qu'on a mis dans la campagne. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, nous avons besoin de soutenir Makambo et Kendele Gosso. Le peuple congolais va se framing. Maïsa Kokoso, courant Isa Kokoso, transport Isa Kokoso, Bandela, Kimbuta, Bomanyonso, Ngobila Yepe. Dis-moi encore. Qui ne peut être Nazoye Bate Baburumes Baliala? Il est peiné à Batunaye, il est menacé par le lobby, il faut appeler ses rapports. Rapport aux Zanini qui cherchent sa salité. Rapport aux autres Zanini qui cherchent sa salité. Rapport aux Zanini qui cherchent ses communes propres. Et on va vous comprendre que c'est comme ça les salamites. Ceux qui cherchent sa salité, c'est comme ça les salamites. Vous voulez qu'on dise quoi? Kamere n'est pas ennemi à Félix. Il reste à son allié, son compagnon d'élite, et pour ses 5 ans.
Et ce qui va marcher malam, c'est le pays qui va gagner. Ce qui va marcher na mutu mutu, c'est le pays qui va perdre. Et si le pays perd, c'est Félix et lui de Pes au Wakomukunda. Merci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et à très bientôt. KPG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KPG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KPG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KPG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, deux équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KPG Énergie, finis le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KPG Énergie, qualité et fiabilité. Thank you.